Oui, allô, salut Pierre! Bon, comment est-ce qu'il va? Belle journée après-midi, ça, tu nous ouvres tout ça? Parfait, on vient faire une coupe d'envolée. Puis Steph, es-tu là? Bon, c'est bien, il dit qu'on va passer une super de belle après-midi. C'est bon, bye! C'est Pierre Boivin, je suis propriétaire de Parachute Horizon, anciennement à Saint-Honoré. Maintenant, on est à Alma depuis quelques années. Donc, on a parti ça, Horizon, dans les années 2003, si on veut. Puis, un an après, je pense, François est embarqué dans le business avec nous. Donc, il a fait ses classes en grosse partie chez Parachute Horizon, au début comme vidéoman de tandem. Puis par après, ben, il a fait sa formation de tandem et tout. Maintenant, on est trois actionnaires dans Parachute Horizon. Ben, moi, j'ai commencé à sauter vraiment à 16 ans, quand j'ai pu l'âge limite. C'est Pierre, mon père, finalement, qui m'a dit « Bon, ben, on va sauter en parachute, ça va marcher comme ça. » J'ai passé tous les jobs que les jeunes ont commencé à jusqu'à l'instructeur, puis gérer la business finalement ici. Là, dernièrement, cette année, bon, je me suis retiré un tout petit peu. J'ai un autre emploi à temps plein. Donc, je viens ici un petit peu plus, là, par temps perdu, puis plus pour le plaisir que vraiment là, travailler si on veut. On a les petits-fils qui sont là aussi. Là. Et c'est tout ça qui vont voir le relais d'horizon, là, j'imagine. Moi, ma job, ben, dans le fond, c'est moi qui s'occupe de plier les parachutes. Donc, ben, évidemment, les parachutistes y arrivent, puis. Au sol, ça prend quelqu'un qui plie parce que eux ils s'occupent de déplier. Moi, je m'occupe de faire toutes les petites jobines de début de journée. Là. Moi, j'ouvre un petit peu la shop, si on veut. Puis moi, pas que je cours, mais je me promène un petit peu dans chercher les parachutes, faire les vidéos. Je commence à plier un peu aussi. Ouais, je commence à plier tranquillement, pas vite. Ben, Félix s'occupe aussi des sauts de parachutistes aussi. Là. Il voit que tu as l'entretien des jumpsuits. Là. Ce qu'on appelle les jumpsuits, c'est ce qu'on prête aux clients. Les jeunes, quand tu commences, ben, les jeunes, t'as dit, Charlie a fait pareil. On appelle ça un senteur de saut. quand tu débutes sur un centre de parachutistes, t'as le rack de jumpsuits. Une couple de fois, ben, t'es dans la tête, les mois, fais-moi un petit check, c'est sous, c'est là qu'ils sentent un peu. Hein. Faut aller les laver, fait, t'sais, ils commencent tout senteur de sous. On dirait que j'ai pas vraiment l'impression d'aller travailler quand je viens ici, j'arrive, puis ben, c'est le fun. Là, je parle, c'est pas une job normal, là, si on peut le dire. Là. C'est le fun parce que le monde, ils viennent ici, puis ils trippent vraiment. Là. Puis ben, c'est sûr, quand t'as ton grand-père et ton oncle comme boss, c'est pas mal plus relax qu'un inconnu que tu connais pas vraiment. Ouais. C'est plus comme un passe-temps, venir ici. Là. Moi, quand je me lève le matin, je suis quasiment motivé à venir me lever pour venir ici parce que je vais avoir du fun durant ma journée. La journée passe super vite. Ouais, c'est ça. Tu travailles toute la journée. Là. Tu travailles quand il fait beau, fait que c'est jamais dull. On s'ennuie jamais ici. Tout ça a commencé l'été 2015, quand que toutes sortes de souvenirs de ma jeunesse sont refloués, visant en fait la passion pour le ciel, puis pour l'immensément grand, puis pour le vide. Moi, dans le fond, je suis tombé dans le bain, écoute, ça fait quasiment 4 ans et demi. Moi, j'étais venu faire un tandem avec mon jeune frère aussi à l'époque. Écoute, une affaire de fou, on se demandait qu'est-ce qu'on pourrait faire de pas pire aujourd'hui. Puis nous, on connaissait rien là-dedans, puis on savait pas que ça marchait avec les vents puis tout ça. Fait qu'écoute, là, c'était tout le temps remis, annulé, reporté. Finalement, on arrive ici un matin. Ça a tellement été intense comme sensation puis tout, que je me suis pas rappelé tout de suite ce qui s'était passé, puis j'avais des souvenirs pendant la semaine. Moi et mon frère, on était supposés faire notre cours de chute libre l'année d'après.
Puis finalement, il s'est enlevé la vie. Fait que moi, j'ai décidé quand même que j'allais poursuivre là-dedans. Parce que moi, ma vie s'en allait par là. Puis quand j'ai découvert le parachute, je me suis en allé par là, à ce point-là. Là. La première journée qu'il a fait beau, à un moment donné, mon cellulaire sonne, c'est Pierre. Il me dit « Hey, Alex! » Il dit « Salut, c'est Pierre, là. On aura un trou entre telle heure puis telle heure si t'es prêt à venir faire ton tandem, ton premier tandem à vie. » À ce moment-là, j'étais vraiment loin de m'imaginer ce que je m'apprêtais à faire, là. J'essayais de me concentrer sur ce qu'il fallait que je fasse puis de mettre de côté toute la peur. La porte de l'avion s'est ouverte, le vent te rentre dans la face puis c'est complètement irréel. Et tu commences un chapitre de ta vie que tu vas traîner pendant tout le restant de tes jours. Venu ici ce matin à l'improviste, je savais même pas que c'était mon saut, mon baptême du saut, parce que c'est mon enterrement de vie de garçon. J'arrivais ici les yeux bouchés. Puis à la suite de ça, ils m'ont assis ici puis l'adrénaline a monté quand j'ai enlevé mes lunettes. C'est quelque chose, là, je monte dans l'avion puis je saute dans le vide, là. C'est de vivre ça, puis t'as le temps de monter, là, tu montes dans l'avion, là, t'as le temps de réfléchir, de tout penser, de voir le paysage qui diminue en bas. Puis c'est quand t'arrives sauter, hey, tu dis, tabarnak, c'est quelque chose là dedans. Mais un coup t'es dedans, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est quelque chose, faut que tu vives une fois dans ta vie. Dans les airs, ils vont comme vivre une espèce là, de buzz, là, pff, ils atterrissent, ils en shake de même, là. Ça fait que t'es comme chaud, puis gelé, puis quelque chose d'autre en même temps. T'en shake comme ça. T'en shake parce que ton corps est en train de digérer tout ce que tes glandes-là dans ta tête ont fait. C'est trois glandes là, qui produisent ces hormones-là. Ces trois hormones-là, quand ils marchent ensemble, là, c'est une bombe atomique émotionnelle au cerveau. Tout le monde va dire l'adrénaline, là, ils ont analysé, c'est pas ça. Il y a juste un autre endroit où ils retrouvent ça. C'est chez le monde qui ont le coup de foudre. Le choc amoureux. Pour la première fois, tu vois quelqu'un, là, puis les genoux te plient, là. Il n'y a pas un jour en ce moment depuis 2015 où que je pense pas au parachute, que je pense pas au prochain saut, puis à qu'est-ce que je vais améliorer au prochain saut comparativement au dernier que j'ai fait. C'est carrément comme si j'étais accro à une drogue dans mon cerveau qui se libère à chaque fois que je vais sauter. Puis évidemment, il y a la peur au travers de tout ça, tu sais. Puis c'est ça qui fait aussi une touche distincte au parachutiste, c'est que c'est épeurant. On laisse notre vie entre les mains d'un équipement, tu sais, un équipement cousu par des êtres humains, tu sais, des êtres humains qui font des erreurs à leur tour, tu sais, c'est tout le temps. En fait, il n'y a jamais rien de sûr dans tout ça. Puis c'est comme mettre un pied devant l'autre dans chaque jour de la vie. Tu sais pas vraiment c'est quoi qui va t'arriver, si tu vas vraiment te rendre du point A au point B. J'ai eu beaucoup de sauts difficiles quand j'ai décollé. Ce qu'on appelle dans le jargon des line twists, là, la voile qui s'en mêle. Là. Écoute, j'en ai eu énormément pour le nombre de sauts que j'avais. Puis j'aurais pu arrêter, mais les gens me disaient « Continue, progresse, faut pas que tu lâches. » Puis une fois, j'ai atterri dans le bois à l'autre bout, là, c'est une légende ici, quasiment. Il n'y a pas personne qui... Oui, il y a une fille qui m'a battu il y a 2 ans. Parce que quand tu commences au début, tu as des grosses voiles. Donc, si tu sautes moindrement dans le vent ou peu, tu calcules mal tes affaires. C'est pas long que tu peux te ramasser, on appelle ça des hors-zones. Puis moi, j'en ai vécu un assez mémorable, où j'ai dû revenir sur le pouce avec ma voile sur le dos, puis tout l'équipement, puis... Se faire stresser notre bon vieux Pierre ici, écoute, c'était... J'ai été très persévérant, puis un peu là-dedans, parce que mon frère était supposé faire tout ça. C'est à cause de lui que je suis là-dedans aujourd'hui. Faut apprendre à transformer la peur, à canaliser la peur, puis à en faire de quoi de bien. Parce qu'on n'est pas là pour avoir peur, pour se faire peur ou bien pour se blesser. T'sais, on est là pour avoir du fun. Fait que, aussitôt que tu pars avec cette mentalité-là, la peur, t'es capable de la transformer en quelque chose d'agréable. Parce que c'est grâce à la peur un peu qu'on a du fun avec ça, tu sais. Si c'était pas si épeurant, ce serait pas autant de fun. En fait, selon les statistiques, on a plus de chances de mourir en se rendant faire du parachute qu'en faisant du parachute. La peur la plus ancestrale, c'est la peur de tomber. Le réflexe que tu vas avoir, s'il y a de quoi, c'est de t'accrocher pour tomber comme ça. Si tu t'amènes d'une place que c'est haut puis tu as le vertige, cette peur-là, c'est la peur la plus ancestrale. Elle nous garde en vie. Et en même temps, tu vis le plus vieux rêve de l'homme, le rêve de voler. Dans un court laps de temps, tu mets ça ensemble comme ça, le cerveau fait comme disjoncter. Ping! Tu tombes amoureux. Tu tombes amoureux de la vie, amoureux de ben, des choses. Tu peux tomber amoureux de toi-même. Le parachutiste devient ton nouveau dieu. Là. Tu fais rien que parler de ça. Tu parles de ça à tes chums. Que ce soit faire du parachutiste, faire de l'équitation ou faire des randonnées de montagne ou de l'escalade ou pratiquement n'importe quoi, le plus important, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait puis de saisir le moment présent parce qu'on fait quelque chose en ce moment qu'on aime. Puis on passe une bonne partie de notre vie, en fait,
à penser à ce qui va pas bien, à se concentrer sur le négatif, tandis que au travers de tout ça, si on saisit pas vraiment tout ce qui est super bon, super beau et super passionnant, ben on va mener une vie quand même assez dépressive. C'est de faire ce qu'on aime, puis c'est d'aimer ça, puis de pas avoir peur d'aimer ça à fond la caisse. Ma sœur a dit là, que à 4-5 ans, quand j'entendais un avion passer, je courais dehors, puis je regardais du plus loin que je pouvais jusqu'à temps que j'aie peur de vie. Fait que c'est comme si j'étais resté avec ma passion. C'est intéressant aussi, de quand tu gardes une passion toute ta vie, de voir où ça va t'amener. Tu sais, moi, je suis parti de Normandin, dans ma petite ville, on était juste 4000 hein, avec Dédé. Je suis parti de Normandin pour me rendre dans les plus gros documentaires au monde qui se sont faits sur le parachutisme et sur le beach jump surtout. Quand on dit pour les jeunes qui ont des passions, ces choses-là, d'écouter leur passion puis d'y aller, c'est ça qui fait qu'ils vont être amoureux de la vie. C'est qu'ils vont dire, elle est donc bien belle cette vie-là. C'est comme une grande famille. Puis tu sautes, tu veilles sur la vie de l'autre à côté, il faut que tu checkes son gear, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Lui, il se fie sur toi, toi, tu te fies sur lui. Ça crée des liens, là, tout de suite. Là. Des gens que je connais depuis 2-3 ans, là, je les considère comme des chums d'enfance presque. Là. Ça, c'est un autre problème aussi. Tes amis, on les appelle les amis terriens, c'est-à-dire ceux qui sautent pas, viennent et écoute, tu fais rien que ça de tes crises de fin de semaine, on te voit plus, t'es où? On voit rien que passer ça sur Facebook, tu fais quoi? Ouais, mais je suis heureux, Chris. Je suis heureux comme jamais. Surtout si t'es une personne qui a eu un passé moindrement difficile, ben ils vont dire que je suis content pour toi d'abord. C'est ça qui est important, je pense.